Bonjour et bienvenue, nous sommes repartis pour la survie du week-end. Donc normalement on avait la sortie de la grotte à gauche. Ok, parfait, parfait. Si on voit rien, toujours se rappeler de quel côté en fait on a mis la sortie. Parce que Interlands sont très très mauvais par rapport aux effets de lumière et... Enfin, luminosité dans les bâtiments apparemment, enfin bref. En tout cas, re-bienvenue. Donc la dernière fois, on a fait beaucoup d'exploration. La dernière fois, c'était un peu... même trop. Honnêtement, c'est un peu trop d'exploration. Parce qu'on a tellement poussé que... Il y a un ou deux épisodes, on était là. On a fait tout le tour. On est passé par le pont. Puis après, on était tout en haut des montagnes. En fait, on s'est baladé. On a fait tout le tour, genre comme ça, je crois bien. Genre là... Non, 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 on a pris un pont, hein. On a pris un autre pont ici, je crois. Après, on est descendu deux cordes d'affilée. On s'est retrouvé là. Après, on est tombé sur la grotte du grimpeur, avec un papier qui parlait encore de la mine. Et après, on a décidé de continuer ici. Ici, on a trouvé un faitout qui était complètement abandonné. On a trouvé un sac. On a trouvé des choses un peu bizarres, genre des morceaux de tissu qui étaient abandonnés. Et après on est descendu et on a trouvé une grotte qui mène à la sortie en fait. Donc c'est la deuxième entrée, c'est un peu on en a déduit que c'était le premier épisode, on l'avait commencé là. Donc je pense qu'on va sortir et on va continuer vers la gauche. En fait on va refaire j'avais dit la dernière fois, on allait refaire le chemin qu'on avait fait la toute première fois. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Et on va voir un peu où ça nous mène. On va voir un peu où ça nous mène. Si on n'a pas loupé des choses et tout ça. Alors j'ai envie de dire qu'on est un peu limite niveau nourriture et tout ça. L'eau ça va, mais niveau nourriture c'est pas trop ça. Alors je pense que je connais maintenant assez la zone. On a un peu compris comment elle fonctionnait, la zone, le canyon des cendres. Donc je pense pas qu'on va avoir un problème pour vraiment se déplacer. Attends. Si je fais ça, je quitte la grotte, très bien. Je pense pas qu'on va avoir un problème pour se déplacer si vraiment on est dans la misère, quoi. Alors peut-être qu'on a peut-être pas besoin vraiment de... Peut-être juste attendre. Ouais. Attendre que le temps s'améliore. Ah, bon bah. Bon bah go. Qu'est-ce que je vous dise moi des fois, hein, ça marche. Hein. Ouais, c'est bon. Fais voir un peu le temps. Moi c'est le temps qui me fait un peu peur. Là, la tempête vient de s'arrêter, donc je pense qu'il fait encore très froid. Ouais. Bon, c'est assez visible par contre. Il nous reste plus qu'un seul charbon, donc on va pas pouvoir vraiment dessiner. Mais au moins... Oh, j'aime pas ce temps-là. Mais au moins, peut-être qu'on va pouvoir découvrir des choses qu'on avait loupées la dernière fois. Enfin, honnêtement, je suis pas super fan de ce temps-là. Moins 16. Parce qu'on voit rien. Ça devrait vite s'améliorer, normalement. On a des lapins. On va peut-être prendre un ou deux lapins. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de nourriture. Merde. Très bien. Sure,
Il y a combien l'arc? 80% ça. Le temps qu'on le détruise, enfin qu'on le mette à 0%, enfin on va jamais le mettre à 0% honnêtement, je pense pas. Mais on aura le bois qui est prêt. Enfin là ça monte, j'ai pas envie d'aller là en fait. Ah, et c'est pareil pour les flèches, on a déjà... On a quoi? On a, je crois, 6 ou 7 bois en tout. On en a 3 dans la première cabane et 3 dans une autre. Enfin, ou 3 ou 4 dans une autre. Donc, niveau... niveau flèche aussi, on va pouvoir en crafter, il n'y a pas de problème. C'est vrai que là maintenant on voit un peu mieux. Pas un passage là. Ça doit être un peu sombre pour vous peut-être. Je pense que c'est un peu plus lumineux pour moi. J'augmenterai peut-être la luminosité au pire si c'est vraiment un problème. Mais il faut se déplacer parce que comme j'ai dit on n'a pas trop de... De nourriture, rien. C'est quand même étonnant hein, de toujours pas avoir trouvé cette mine. Hein. Quand même assez étonnant. Hein. Je suis sûr qu'elle doit pas être loin. On a dû la passer plusieurs fois. Mais il y a tellement de recoins en fait qu'on n'a pas encore exploré. Et c'est cool, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est vraiment vraiment cool. Tellement d'endroits qu'on n'a pas exploré. Ça me plaît énormément cette zone. Ça me plaît vraiment vraiment beaucoup. On a des torches. Ça, c'est le chemin qu'on avait pris. Je me rappelle plus trop si on avait trouvé un endroit pour... là-bas, je crois que c'est où on avait les arbres qui étaient couchés, là, qui servaient de pont. Mais je sais pas si on avait trouvé un endroit pour se protéger avant de tomber, là, dans le... La mine, pas la mine, la grotte là. Tiens, on va aller là, je pense pas qu'on soit allé là. Ah si. Et torche. Et une torche. On a du bois, on a des allumettes et on a des lapins. Donc on risque rien, on peut manger, faire du feu et se réchauffer. Je voudrais juste trouver un bon endroit en fait. On devrait arriver près de l'eau je pense. C'est les hurlements. C'est un peu près. On a très froid ou pas? Ça va. On a sûrement loupé des choses, hein, comme j'ai dit. Hein. Il faisait surtout... C'est surtout brouillard. Genre par exemple, je me rappelle pas vraiment être passé dans des arbres blancs, là, comme ça. Plein d'arbres blancs. Ça me dit rien, ça me dit rien du tout. C'est quoi ça? Non, c'est rien. Ça descend. Ça a l'air d'être désolé là aussi.
Là, y a rien. Faut juste faire attention qu'il n'y ait pas de... Pas de loup, rien. Je vois rien qui bouge. Ok. On va aller dans le côté gauche parce que c'est un recoin, donc des fois... Est-ce qu'on est déjà venu ici ou pas? C'est vrai que les endroits comme ça, un peu détruits, se ressemblent un tout petit peu. Ah, mais c'est ici. Oui, si. Je sais où on est. C'est bon, on y est. On n'est pas passé par le même chemin, mais on y est. On est à la... C'est pour ça que je me disais, ça me dit quelque chose, mais je suis pas entièrement sûr. On est à notre première grotte. On est à notre toute première grotte. Voilà, parfait. On va prendre ça. On met du coup allumette. On est à notre toute première grotte. Donc c'est bon, il y a de la nourriture et tout ça, c'est cool. Je pensais pas qu'on allait retomber dessus aussi facilement, en fait. Aussi rapidement. Ces deux-là. Il fait aussi froid que ça. Ah, c'est bon. C'est de l'eau potable. Cru. Ça, c'est tout cuit. Ok, très bien. Voilà, parfait. Ouais, c'est toujours bien de toujours laisser un peu de viande en surplus à des endroits. De jamais tout prendre sur soi. 35 minutes, 35 minutes. Bien. Ça c'est celui-là qu'on a entamé. Je pense qu'on va peut-être faire faire un peu d'eau juste pour le mettre de côté. 2 litres, très bien. Alors, est-ce qu'on dort un moment ou pas ici? Je sais pas trop. Ouais, très bien. Est-ce qu'on prend les peaux de lapin avec nous? Je suis en train de réfléchir. C'est pas extrêmement lourd, c'est combien les peaux de lapin? 0,10. Ouais, on va les prendre avec nous. Les boyaux, peut-être pas, parce que sinon on va schlinguer. On va sentir la barbaque. Très bien.
Fais voir si on dort ou pas. Non, on va peut-être pas dormir. Voilà, très bien. Ok. Alors, ça va, on s'est remis un peu de... On s'est remis un peu sur les rails, c'est bon, ça va. Ça, ça fait combien? 500... Ok, on va manger ça. On a un peu trop d'eau. C'est bien qu'on ait trouvé le... Le faitour, honnêtement. Là on a encore 4 steaks, on va les laisser. J'aurais peut-être pas dû boire, j'aurais dû prendre les thés à la place. Ouais, j'aurais dû prendre les thés, parce que là ça va être du, complètement du gâchis en fait. Là, c'est embêtant ça. Il va falloir se réchauffer, donc on va les boire quand même. Ça. On va prendre des torches. Et on va visiter. Alors on peut toujours... je sais plus sur quel côté on était parti. On était parti sur le côté gauche ou sur le côté droit? Je me rappelle plus vraiment. Genre là-bas ou là-bas? Je vais être honnête, je me rappelle plus. On a tout sur nous, hein. On a rien oublié. Non, ça va. Ah oui, il y a le passage où c'est qu'il y avait plein de loups. Je me rappelle maintenant. Il y avait ça aussi. On va un peu s'avancer, on va un peu dessiner au fur et à mesure. On a les cerfs là. Ouais, je m'en souviens. Je pense qu'on était allé là-bas, moi. Je pense. On va dessiner là, par contre. On va essayer de monter et on va dessiner. Si je peux... Je voudrais prendre de l'altitude. Très bien. Peut-être que là je peux. Presque. Bon. Pas grave. Ok, ça dessine pas des masses. Ça dessine vraiment pas des masses. C'est pas grave. On a une corde. On a une corde. Ouais, ok, on n'était pas passé par là. À moins qu'on n'a vraiment pas vu la corde, mais... Il y a quoi en bas? Genre, c'est quoi? C'est mort? Bizarre ça. Ah.
On pourrait prendre la corde. Ah, c'est vraiment cul-de-sac en fait. Bon, est-ce qu'on est en pleine forme? Pas vraiment. Ah, il fait combien? Moins 8. On va faire un feu. On va en profiter vu qu'on a la torche. On en profite. Putain, ça fait haut quand même. Ça fait... Il n'y a même pas d'arrêt en fait. Non mais je vais pas y arriver là. Il n'y a pas d'arrêt. Ça c'est une corde qu'il faut prendre pour descendre, pas pour monter. Je sais pas. J'ai envie de tester quand même. J'ai vraiment envie de tester. J'ai un peu peur. J'ai un tout petit peu peur. Ça fait quand même méga haut. Hein. Ça fait quand même méga haut. Est-ce qu'on a fait des cordes comme ça? Est-ce qu'on a déjà fait des cordes aussi grand, aussi hautes? Je pense. Honnêtement, je suis pas vraiment sûr. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre du café. On pourrait prendre du café pour nous booster un peu, pour éviter qu'on perde trop de... trop d'endurance, ça va, on est au max. Très bien. Ouais, on pourrait faire ça. Alors, on est à combien de kilos? 38 kilos. On va déposer ça. 37. Allumage de feu. Voilà. Et on est à 36. Au pire, qu'est-ce qui se passe? On tombe, on meurt. Ah bah ça va en fait. Non, ça va. Ah, comme j'ai dit, si on se prépare bien, ça passe. Très bien. J'ai pas oublié le sac de couchage. Non. Fouiller la cache secrète. Oh, on a trouvé une photo instantanée. Une vieille photo prise avec un appareil. Cool. Tous ces efforts pour arriver sur ce plateau en une fois là-haut. Qu'est-ce que je vois? Une demi-douzaine d'autres formations à escalader. Cool. Il y a donc une photo ici. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien ça. Oh, on connaît, c'est après le pont. Ok, parfait. Ah bon, on a bien fait. On a bien fait. Non, ça.
Ah bah je suis content, non je suis content. On a très bien fait là. Très très bien joué. En plus on n'est pas vraiment fatigué. Faut faire attention à pas tomber non plus. Mais j'y avais pensé il y a quelques épisodes, j'y avais pensé, j'en ai pas vraiment parlé. Oh la vache, il y a encore une corde. Celle-là elle a l'air d'être encore plus grande. J'y avais pensé de... Est-ce qu'ils auraient mis une photo ici? Et apparemment, ouais. Il n'y a pas de... Y a pas de charbon. Ok, go. Et on va s'arrêter sur la corniche et on va dormir une heure. Si on y arrive un jour. C'est bon. On peut faire du feu si on veut. Ouh la vache. Ok. On va dormir. S'il fait trop froid et genre on doit faire un feu et tout ça, je sais pas si on aura assez avec un bout de bois et tout. On prendra le café si jamais on n'arrive pas à se réchauffer et à... Enfin, il reste pas grand chose donc ça devrait passer. 3 heures. Même s'il commence à faire froid, on pourra avancer quand même. Enfin, je sais pas si j'ai été clair. Genre, si jamais il fait vraiment trop froid et qu'on doit faire un feu avec ça, on n'aura pas assez. On utilisera le café pour se remettre à 100%. Je pense qu'on est bon. On va faire encore une petite heure. Juste au cas où. Mais ça va, on va pouvoir monter. Par contre, il fait nuit. C'est un peu chiant. Ok, parfait. Ouais. On peut finir. Ok, bah let's go. Non, mon dieu, j'arrive pas. Oh la vache! Il faut vraiment s'approcher du bord. Il faut vraiment, vraiment s'approcher du bord, ça fait un peu peur. Mal ici. Est-ce qu'on a fait tout ça pour rien ou pas? C'est un cul-de-sac ou pas? Par contre, si c'est un cul-de-sac, c'est la merde. Bon, après, pour redescendre, c'est beaucoup plus simple, mais... J'espère que c'est pas un cul-de-sac. Il y a encore une corde, mais t'es sérieux? C'est encore plus grand. Sans déconner. Sans déconner. Je crois qu'on va devoir prendre le café là cette fois. Mais c'est fou, ça fait 3 cordes d'affilée qu'on fait. Parce que là, on va commencer à tomber à court de ressources. C'est pas bon. Il commence à faire froid en plus. Oh mon dieu, la corniche elle est super haute. La corniche elle est méga haute.
Elle est même pas au milieu de la corde, elle est genre aux deux tiers. Oh mon dieu, allez go! Bon, on est de plus en plus léger, donc elle monte vite quand même. Elle monte beaucoup plus rapidement. Okay, très bien. Bûche calorifique. Je pourrais faire un feu, à la limite, mais bon. Je pense pas que ce soit nécessaire. Ok. Le truc, c'est que il fait moins 11, d'accord, mais dans le sac de couchage, il fait 10 degrés. Donc, du coup, on subit juste moins 1 pendant une heure. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme, donc ça va. Voilà, on fait encore une heure et on est bon et après on se casse. Je pense qu'on va prendre la bûche calorifique avec nous. Elle fait 2 kilos par contre, je crois. On va voir. Ok. 38 kilos. Allez, let's go. J'espère que ça va payer hein, de faire tout ça, hein, parce que là... Risque d'hypothermie. J'espère que là, on va découvrir un sanctuaire. Genre un château ou un... Je sais pas, mais... Il va faire jour. On arrive bien à ménager notre nourriture et notre eau pour le moment. Parce qu'en fait, on a passé beaucoup d'heures. Parce que là, on a passé au moins la journée, voire plus la nuit, en fait. Mais à chaque fois, on a dormi, donc on n'a pas énormément utilisé de calories et d'eau à chaque fois. Donc, ça va. Mais on peut pas faire ça 50 ans non plus. Où est-ce qu'on est? C'est quoi ça? C'est un pont? Un pont détruit ça? Ah non, c'est peut-être pour descendre en rappel? Ah, c'est pour acheminer... Vous voyez ça, là vous mettez une corde, c'est comme un puits en fait, avec un seau, avec avec tout un bordel, avec une corde en fait, je pense. Ah, pourquoi ils auraient besoin d'acheminer des trucs en hauteur comme ça, ou alors de les descendre? Parce qu'il y a la grotte, elle est pas loin, la mine elle est pas loin peut-être? Là on a une mine, une grotte pardon. Il fait pas chaud évidemment. On va trouver une corde. Dis-moi qu'il fait chaud. Pff, non, il fait pas chaud. Des corbeaux. J'essaye en fait de voir un peu de la logique à chaque fois qu'on découvre des choses. Donc je sais pas s'ils acheminaient des... genre du charbon et tout, peut-être dans un seau avec une corde en hauteur ou pour le descendre ou pour le monter. C'est peut-être parce qu'il y a une mine pas loin, genre en dessous ou au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un panneau, ça? C'est quoi, ça?
Est-ce qu'on est... On est à combien de kilos? 45. Il nous faudrait un endroit qui... où il fait chaud. Ça serait vraiment, vraiment bien. Genre là, on peut pas avoir chaud. Yes, on a chaud. C'est bon. On n'a pas besoin de faire du feu. On a des pierres, on a ça. Ok. Parfait, parfait, parfait. Alors, il faut qu'on trouve à manger. Il faut qu'on trouve à manger. Après, on a encore des baies et tout ça, donc on peut pour le moment un peu survivre. On va déposer ça. Ça va être notre coin pour le moment. C'est vraiment pas fameux comme coin, mais... c'est le coin le plus safe, en fait. Qu'on ait pour le moment. Je crois entendre du bruit. C'est notre coin le plus safe, donc on est un peu obligé de faire ça. Voilà, on se réchauffe un peu, c'est bien. Ok, on avance. Je vais voir un peu plus loin. Puis après, on va peut-être dormir un peu. On a un cadavre sûrement, ou une carcasse. M'étonnerait qu'on trouve des animaux, honnêtement. À cette hauteur, mais... C'est quoi, ça? Carcasse... Oh, il y a une croix. Ok. On va aller dormir pour se réchauffer, et comme ça, on va peut-être pouvoir aussi dessiner un peu. Parce que je sais pas exactement où on est, en fait. Ah, j'ai peut-être une idée. J'entends les corbeaux de l'autre côté aussi. Voilà, très bien. Ouais. Dormir une heure. Parce qu'on peut pas vraiment... passer trop de temps non plus. Comme j'ai dit, on n'a pas à manger, rien. Ouh, c'est pas mal. Donc nous sommes là, donc on peut retomber ici. Ça va, ça va, ça va, ça va. On va laisser la corde là pour le moment. Ah oui, on va peut-être dessiner... Genre matériaux. Les repères placés à l'intérieur. Ah. Voilà. Si jamais on doit récupérer la corde, au moins on saura où elle est. On est à combien de kilos? 35. Voilà. Parce qu'il y a un cerf là-bas, on va peut-être faire du feu pour prendre la nourriture. Enfin, pour faire cuire le steak. J'espère que ça va nous mener à quelque part, parce que honnêtement, on n'arrête pas d'avancer, on trouve toujours des nouveaux endroits et tout, c'est affolant, quoi. Mais c'est vachement bien. Mais c'est affolant. Oh la vache, ça m'a fait peur, ce con.
J'ai cru qu'elle était tombée. Là, il y a du bois, ça va. Ok, ça montre un passage là. Surplomb de la gueule du loup. Oh wow. Oh, comment c'est grand. Comment c'est méga grand. Moi, c'est ces panneaux que j'arrive pas vraiment à comprendre. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un panneau, on est toujours dans le sens inverse. Enfin, qu'on croise un panneau, pardon. On est toujours dans le sens inverse. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe un... Il y a ce truc-là, bizarre, là, dans le ciel. On coupe un morceau de steak, ou alors on fait un feu ici. Ah, on peut peut-être faire un feu avec la lumière. On peut voir un peu... Yes, non, on peut pas. On peut pas. Et y a même pas un kilo de viande. On va continuer. Oui. Oh mon dieu. Est-ce qu'on était déjà venu ici ou pas? Ça me rappelle un peu un... Ça me donne un gros déjà vu en fait. Ça me donne un gros déjà vu. Ok. Mon dieu, c'est parti. Tombe pas. C'est horrible. C'est horrible, c'est bon. C'est vraiment horrible. Qu'est-ce que c'est? C'est un tronc d'arbre. Bon, on va bien revenir sur nos pas, en fait, à un certain moment. Ouais. Je sais plus, honnêtement. Il y a tout qui commence à se ressembler. Peut-être que je suis fatigué, j'en sais rien. Peut-être que je suis un peu fatigué. C'est là, il y a tout qui commence à se ressembler pour moi. Non, on n'est jamais venu ici. Jamais venu. Ok, là, là c'est notre maison, on la voit là en bas. Si on pouvait y accéder, ça serait bien. Oh non, pas encore un pont, s'il vous plaît. Par contre, ça commence à me stresser, ces ponts-là. Ça me stresse beaucoup. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive à un endroit où la corde est brisée, genre sur les côtés, c'est là où ça se bascule le plus. Et ça pousse, en fait. Enfin, on a trop l'impression qu'on va tomber à chaque fois. Donc ça devient vraiment très, très stressant. Allez, c'est reparti. À chaque fois, il faut longer l'opposé. Mais ça bouge bizarrement. Et des fois... Pff,
merde. Allez. On est presque. Ok. Ah, vache. Bon, bah là, on a fait le tour, vraiment. On récupère des bouts de boîte partout, quoi. Peut-être faire un moment une pause. Derrière, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi. C'est quoi ce... C'est quoi ça? Ok, quelqu'un qui a fait un feu là. Intéressant. Ça devient un peu dangereux là. On est quasiment à 50% de notre vie. Ça devient un tout petit peu dangereux. Parce que je sais même pas si on descend, si on monte maintenant. Mais on est un peu... Des bruits. Oh la vache. Encore un pont. Oh mon dieu, faut vraiment pas avoir le vertige ici. Hein. Dans cette. Encore une corde. Oh mon dieu, regardez-moi ça. Droite ou gauche? Il y avait un pachas de l'autre côté aussi. Une grotte. What? Oh la vache. On est ouf. On est là du coup? Non. Je sais plus. Je vais être honnête, je suis perdu. Je sais plus du tout où on est. Je sais pas du tout où on est. J'arrive plus à me faire une carte dans la tête, quoi. C'est fini, c'est la mort. Il va falloir qu'on fasse du feu. Alors attendez, parce que là on est, on avait la lampe, non je sais pas exactement, j'arrive pas à me rappeler. Honnêtement, j'arrive pas du tout à me rappeler. Où est-ce que... d'où on vient, en fait. J'arrive pas du tout à me rappeler, là. Là, je commence à... J'ai trop fait d'épisodes d'affilée, je crois. On a quoi? 3 entrées en tout? C'est ça? Donc du coup,
Ah non, 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 c'est pas trois entrées. Ah non, là on va revenir sur le chemin des mineurs, ça commence à me revenir. Avec la flèche et tout ça, parce que j'avais laissé la lampe. Donc ça veut dire que ça c'est la grotte qui va du bas et qui monte. Ouais, là on retombe sur le... Oh, on a fait le tour de la map. De la région. On a fait le tour de la région. Oh mon dieu. On a pris le sac de couchage. Oh. Je crois que là, pendant cet épisode, on a fait quasiment le tour de la région en entier. Genre sur les extrêmes, sur les bordures extrêmes. Là, on va retomber sur l'ours qu'on avait tué. J'espère pas qu'il y en a un autre qui est venu, qui a migré ici. Non. Bon, bah c'est pas mal. On a fait pas mal de découvertes. On a un peu cartographié pas mal de choses. On a pris des... On a trouvé... C'est un os ou un sac, en fait, ça ? Oui, c'est un os. Un squelette. Un crâne, pardon. On a trouvé une photo. Une photo. Parce que ça, c'est vachement bien. On a trouvé ça. On a cartographié, enfin on a dessiné pas mal de morceaux de map en plus. On s'est super bien débrouillé, honnêtement c'est super bien débrouillé. On a fait que avancer en fait, et on se retrouve en haut là, ça c'est bien ça. Ah, c'est vraiment cool, on a vraiment bien joué. C'est juste que c'était stressant, honnêtement c'était super stressant. Mais la map elle est vraiment bien faite hein. La carte, elle est super bien faite. Hein. Au final. C'est un peu... Ça me rappelle un peu... Genre Dark Souls, avec des... Le tout premier, par exemple. Genre, vous avancez et tout ça, puis après, vous trouvez des raccourcis. Donc, vous faites le tour, en fait, des passages et tout, mais vous êtes jamais vraiment perdu. Vous pouvez avancer, puis après, vous allez débloquer un... comment ça s'appelle ? Un raccourci. Et vous allez pouvoir revenir en arrière et tout ça. Et puis après, vous allez pouvoir avancer plus vite avec le raccourci et tout ça. Là, ça me rappelle un peu la même chose. Vous pouvez toujours aller tout droit. Mais vous n'êtes jamais vraiment perdu. Et vous n'êtes jamais vraiment bloqué, en fait. Donc, ouais, non, non, c'est top. C'est vraiment top. Très, très bien. On a trouvé ce livre aussi. Du coup, on a ramené même une nouvelle corde. On va prendre ça. On a ramené une nouvelle corde. On a ramené un fétou. On a ramené un fétou. C'est ça qu'on va jeter parce que sinon je vais le manger par erreur. Donc maintenant on a deux fétous, donc si on veut faire de l'eau ça va être beaucoup plus simple. Donc corde, fétous, on est revenu ici, donc nourriture. Ah oui, les bois. Les bois. Oh, est-ce qu'on peut les faire sécher ici? Ah ouais. Les bois pour faire des flèches et des arcs. Donc, vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà, parfait, parfait, parfait. On a dépôt en plus. On peut pas les mettre sur le... Non. Ah, très bien. Ça va toi? Ça va toujours?
très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des baies et tout ça, on peut lire. On va prendre de l'eau. Je vais regarder ce qu'on avait dans dans la maison. Alors après, j'ai pensé aux flèches là qu'on trouve, là, les panneaux. Pourquoi pas bêtement les suivre? J'ai pensé à ça aussi. Pourquoi pas tout simplement les suivre en fait? Ah, ça y est, on peut faire des. On peut faire des fûts de flèches. J'ai pensé à tout simplement les suivre et voir où ça nous mène. Parce que nous, on les prend toujours à l'envers, donc. Mais bon, au bout d'un moment, les prendre à l'envers, enfin, on aurait dû quand même arriver à un certain. À une mine, quoi, si vraiment ils devaient nous montrer l'endroit où il y a la mine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est bien. Très bien. Ok. Faut qu'on aille de récupérer des tissus. Ah oui, on a la peau de l'ours aussi, c'est vrai. Faut qu'on aille récupérer la peau des tissus, pardon. Je pense qu'on va faire ça, puis après on va arrêter l'épisode. Parce qu'il reste encore un peu de temps là. Avant le coucher du soleil. On va prendre deux steaks. Ouais, trois steaks là. De toute façon, on risque rien ici. Voilà. Mais ouais, je suis assez étonné de toujours pas être tombé sur la mine. C'est incroyable. Et de là, de cet endroit-là, du coup, on peut aller faire la photo. Le Polaroid normalement, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder la carte une fois que je serai à l'intérieur de la maison. Ah oui, par contre, on n'a toujours pas trouvé de moyen pour aller à la maison là qui était en contrebas. Donc il va falloir trouver un moyen d'y aller. Parce qu'il y a encore des endroits en fait où on peut pas aller. Enfin, c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on n'y est pas allé. Il y a encore des endroits. Genre, c'était où? C'était là, genre là. On n'a toujours pas trouvé de moyen pour y aller. Ah, ça c'est embêtant. Parce qu'il y a une maison et tout, il y a une cabane et tout à vérifier. On a vu qu'il y avait un emplacement de cordes, donc les cordes qu'on trouve, c'est bien pour la rajouter là. Et après, il y avait une corde à trouver encore. Donc, peut-être que. Nous, on est où maintenant? On est de retour ici. Donc, il faudrait reprendre ce pont-là. Et revenir. Ça, il faudra qu'on fasse ça. Et une fois qu'on aura fait le Polaroid là, on va voir un peu si ça nous donne un peu plus de détails sur la zone. Mais il faudra aller trouver quelque chose là. Faut aller dans cette cabane là. Faut absolument aller dans cette cabane. Parce qu'on doit passer à côté de choses intéressantes. Donc voilà. Faut y aller. Non. Tissu. Mais ça va, sinon, on avance, honnêtement. Ah, par contre, elle est pas fatiguée. Ah, on découvre pas mal de choses. Bien. J'ai envie de casser ça 2 heures.
On va faire les oreillers parce que maintenant ils volent. Donc c'est moche. Deux heures. Ouais, on peut le faire. De toute façon, elle est pas fatiguée, donc elle est pas encore très fatiguée. Donc autant casser des choses. Donc ouais, la prochaine fois, prochain épisode, on va. Ouais, là c'est pas mal. Prochain épisode, on va essayer de complètement faire le Polaroid, puis trouver un moyen pour la cabane qu'on a vue. Très bien. Il faudrait tellement des jumelles. Je suis quand même épaté. Encore une fois, je demande pas de me dire où est la mine ou quoi que ce soit. Mais je suis assez épaté d'avoir fait tout ça et de toujours pas être tombé sur la mine. J'avoue que c'est assez épatant. Parce que en plus, je dessine beaucoup, hein. Je dessine beaucoup. Donc je trouve ça assez énorme, quoi. Ah, il faut que je prenne des charbons. Ouais. On peut créer des fûts de flèches dans la nuit. Quand on est à l'extérieur, je pense pas. Hein. On va déjà poser le bois. Ah, ce que j'ai envie de dire, peut-être, s'il faut, c'est tout bête. Il faut juste suivre les panneaux dans l'ordre. M'étonnerait quand même, mais... On sait pas ce qu'ils indiquent en fait. Ah oui, mais on va rien voir à l'intérieur. Ah, c'est chiant. On verra ça après. Je voulais aller poser tout ce qu'on a récupéré là dans le casier, genre les tissus et tout ça. Mais au final, on va rien voir à l'intérieur. Alors, fais voir un peu. Fût de flèche, une heure. Minutes. On peut le faire pendant la nuit. Je pense. Vous avez remarqué aussi qu'il n'y a pas eu de... d'aurore boréale encore. Il nous faudrait une boîte. Pour ranger les fûts de flèches. Faut en les mettre dans le casier, quoi. Mais c'est un peu chiant, en fait. Bon, allez, on va dormir. Bon. Prochain épisode, donc. On va essayer de récupérer un peu de vie aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Prochain épisode, on va regarder un peu la map. Alors prochain épisode, on va faire ça. La photo, j'espère qu'elle va un peu nous donner des meilleurs reliefs et tout. Mais où est-ce qu'elle pourrait être cette mine? C'est fou. Ouais non, nous on est arrivé là du coup. On a pris le pont qui était là.
Matériaux. Ouais, donc on a fait ça en fait. Bah, en fait, c'est le chemin que je voulais voir. Donc maintenant, on sait ce qu'il y a. Et là, on a laissé une corde aussi. Donc ça, il faut s'en rappeler. Ouais, donc nous, on a fait. Au début de l'épisode, en fait, on était ici, au réseau des grottes. Donc ça, c'est le pour sortir en fait de la zone, de la région. Donc on a continué par là. Après, donc comme ça, à côté du ravin en gros. Après, on est retombé sur notre plateau. Au lieu de passer comme ça, enfin comme ça, voilà, comme ça. Là, c'est où c'est qu'il y avait les loups et tout ça. Là, il y a la cascade. Les trois loups, là, on était tombé sur les trois loups. On est allé de l'autre côté. Donc là, c'est un truc de fou. Il y a trois cordes d'affilée. Et deux cordes qui sont extrêmement grandes. Enfin, même les trois, honnêtement, elles sont assez grandes. Donc très dangereux. Donc on est retombé. Donc du coup on est remonté. Après je crois qu'on est passé donc par là après. Une fois qu'on a pris les cordes, ça fait comme ça. Là on a trouvé une corde. Après on a pris le pont, deux ponts. Je crois qu'on a fait ça. Hein. Et après il y a un autre pont qu'on a pris, mais je vois pas où il est dessiné. Enfin, après, on s'est retrouvé là, en fait. Ou alors, on a fait ça, ça. Et après, j'ai fait demi-tour. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Enfin, voilà. Après, on s'est retrouvé encore, ça, sur ici. Enfin, voilà, c'est bordel. C'est bien. Par contre, je suis content d'avoir le livre. Ça va nous aider pour la couture. Très content pour ça. Voilà, j'avais un peu peur. Honnêtement, je pensais peut-être que ça allait mal se finir, mais on s'est très très bien débrouillé. On a eu un peu de chance. On va dormir 10 heures. Et voilà, on a encore plein de choses à faire la prochaine fois. Bonne nuit à tous, passez un très bon week-end et ouais, à la prochaine. Ciao ciao.